Salut tout le monde, soyez les bienvenus, c'est parti pour une nouvelle partie de l'attention. Ça va? Je suis très content de vous retrouver. Soyez les bienvenus, est-ce que vous êtes en pleine forme? Ouais. Vous avez passé une bonne semaine? Ouais. Bon bah pile poil alors, on va passer une demi-heure de récré total. Vous avez reconnu cette chanson? La chanson In de Loïs Andrea que nous avons entendue tout l'été. Loïs Andrea est une nouvelle chanteuse, une jeune chanteuse. Elle a eu le coup de foudre pour son compositeur qui s'appelle Jean-Patrick Alouche. Il travaille beaucoup avec elle pour ses chansons. Elle viendra nous chanter à la fin de l'émission son tout nouveau titre qui s'appelle Insomnie. Voici Loïs Andrea dans ma tafon. Bonjour Loïs. Mesmin. Bienvenue. Merci. Installe-toi Loïs. C'est la première fois qu'on te reçoit à Ouattafon. C'est la première fois. Ça rappelle l'été, hein, cette chanson. Oui, ça rappelle l'été. Et on l'entend encore beaucoup en ce moment sur les radios d'ailleurs. On l'entend encore, ça tourne bien. Bon, t'es heureuse, un premier succès comme ça. C'est une très très belle aventure. Parce qu'avant de devenir chanteuse, tu faisais des petits travaux, oh purée si je commence à faire des fautes de français, des petits travaux à droite à gauche. Bah oui, pour survenir à mes bah oui, besoins. Quoi. Pour manger, comme pour on manger, dit. Et puis, devenir chanteuse, c'est vraiment un rêve de. Bah, j'avais l'orage. Fille. Voilà, j'avais c'est ça. J'avais l'orage quand ça m'a pris. À 11 ans, elle chantait déjà avec son groupe. Ouais, je chantais avec la brosse à cheveux, surtout devant la glace. Mais comme ça. Je sais pas si ça vous arrive à vous, non? Qui chante avec sa brosse à cheveux? Sa brosse à cheveux. Et tu fais du sport aussi? Oui, je fais beaucoup de sport. Du footing? Footing. Tous les matins? Écoute, en ce moment, j'ai un peu de mal, mais normalement, c'est tous les matins. Ouais, abdos, j'ai besoin parce que j'ai trop d'énergie, alors, ce qui fait que sinon, je suis très agressive. Ah oui, on va se prendre des pains sinon. Mais t'as fait ton footing avant de venir? Oui, j'ai fait. Bon, bah nickel. Bonjour Victoria. Bonjour Laurent. Comment ça va Victoria? Tu n'as pas d'insomnie? Je n'ai pas d'insomnie, je vais très bien, je suis reposée, j'ai fait mon footing, tout va bien, je ne serai pas agressive. D'accord. C'est le titre de la chanson de Loïs Andrea à la fin de l'émission. Pour jouer avec nous, une équipe bleue, une équipe orange, comme tu le sais. Oui. Est-ce qu'il y aura de la mousse aujourd'hui? Vous avez envie de mousse ou pas? Bah il se peut qu'il y ait de la mousse alors. Chez les oranges, Gladys, Audrey, Sherazade. Chez les bleus, Alison, Stéphanie et Figen. Allez les filles, allez plus vite. Alison, Stéphanie et Figen. Hop là. On va aller voir, tiens bien avec moi Loïs, on va aller voir les bleus. Bonjour les bleus. Comment ça va les filles? Bien. Loïs Andrea. Bonjour. Qui va essayer le trampoline. Elle va se défouler un petit peu. Tiens, défoule-toi sur le trampoline. Voilà. Vous êtes en pleine forme? Oui. Figen, oui. Tout va bien? Oui. Très bien. Alors les oranges, comment ça va? Moi je reste avec toi. Oh là là, c'est un petit ça va bien ça. Les oranges, comment ça va? Ça va. Ça va bien Audrey? Vous êtes en pleine forme? Ouais. Sherazade? Ouais. Joli t-shirt, jolie Merci. Photo. Vous les gardez, hein, c'est collecteur après les t-shirts. Okay. Alors on va commencer par une épreuve qui te concerne vraiment, Loïs. Oui. Hein, on va parler beaucoup de toi. Oh là là. Oui, t'es contente? Oui. C'est vrai? J'aime bien dévoiler un petit peu. T'aimes bien parler de toi? Non, j'aime pas parler de moi, mais quand il faut, il faut. Mais c'est bien qu'on sache des choses sur toi, sur ta carrière. Voilà. Comment t'as commencé, qu'est-ce que tu aimes. Donc tout ça, ça va être le thème de la première épreuve, le Wata Quiz. Champion du monde de la mise en place en Watafon, regardez, toute l'équipe, on peut applaudir toute l'équipe. Vous avez vu comme elle fait vite? L'équipe de Lagdar, entre autres. Hein, ils sont balèzes quand même. Voilà, tout est prêt. On va commencer par faire les présentations avec Gladys. How do you do, Gladys? Salut. Ça va, Gladys? Oui, ça va. Oui, tu as l'air concentrée, ma fille. Hein. T'as quel âge, Gladys? J'ai 12 ans. 12 ans, et tu es têtu? Ouais, ça, on peut dire. Ça veut dire que quand t'as une idée, t'en démords pas. Hein. Mais c'est pas forcément un défaut. Hein. Ça peut être une qualité. Tu fais du vélo et puis quoi aussi? Un peu de violon et de la danse. Et un petit peu de danse. Tu me testes le trampoline? Avec le punching ball? Mais non, saute, mieux. Oh, saute. Non, pas comme ça. Je vais tester le trampoline. Non, vas-y, vraiment. Voilà, comme ça. Vas-y. Non, mais il faut taper dans le truc, hein. Oui, Gladys, d'accord. Hop, APK pour Gladys. Et puis pour les bleus, qui va sauter, qui va taper? Qui va péter, j'allais dire, qui va taper? Non, c'est pas pareil, c'est Alison. Ça va, Alison? Oui, ça va. Quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans, tu es grande? Oui. Je le confirme, t'es très grande, tu mesures combien? 1m65. 1m65? Yeah! Et t'as 12 ans, presque la taille mannequin dans quelques années, hein, si ça continue comme ça. Tu fais de la natation? Oui. Et montre-moi tes chaussures? Ah ben non, ce sont des chaussures normales aujourd'hui. Parce qu'une fois à l'école, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je suis partie en chaussons à l'école. Tranquille, hein, je vais aller à l'école en chaussons. C'est vrai que c'est plus confortable quand même. Et tu as fait les cours en chaussons, pas de problème? Non, je suis partie et je me suis rendu compte devant la porte de l'école. Ah oui, t'es retournée chez toi? Voilà. Ah bon. Tu testes le trampoline? Yeah, oh là, voilà. T'as vu, hein, Gladys? Elle a la pêche, hein, va falloir être sur le coup, les filles. Alors attention,
Première épreuve sur la vie de Loïs. Première cascade, hein, elle était première pas mal. Hein, sur la vie de Loïs Andrea. 1 minute 30. Les premiers à répondre marquent 10 points. Quand la main passe à l'équipe suivante, c'est 5 points. Vous êtes prêts, les deux équipes? Oui. Ok, attention. On est parti. Lequel de ces surnoms est celui de Loïs Andrea? Lolo, Lolita ou Lo? On tape, on répond. Hein. 10 points, les bleus. Lolita? Lolita, non. Les oranges? Donc, t'es pas obligé de taper, Gladys. Lolo? Lolo, non. C'était Lo. Oui. Quelle est la devise de Loïs? Ne comptez que sur soi-même, regardez droit devant ou alors restez cool. Droit devant. C'est cool. Restez cool. Les, c'est qui là? Parce que ça s'allume pas bien là. Les bleus? Les bleus. Les bleus, merci Victoria. De rien, les bleus, Laurent. Vous me dites quoi? Restez cool. Restez cool. Non, c'est pas ça. Les oranges. On éteint les lumières, restez s'il vous plaît. Cool, les, trucs. Les oranges. Vous pouvez répéter la question. Ne pas compter que sur soi-même. Ne compter que sur soi-même ou alors restez cool. Ne pas compter sur soi-même. Ne compter que sur soi-même, tu dis? Non, c'est pas ça. C'était regarder droit devant. Loïs est de bonne humeur quand elle voit ses amis, elle fait la cuisine ou alors elle va à la piscine. On tape, on répond. Oui, l'orange. Elle voit ses amis. Elle voit ses amis, 10 points. Quel est l'objet fétiche de Loïs? Des lunettes de soleil, des baskets ou alors une montre en or? Basket. Oui, l'orange. Une montre en or. Une montre en or, non, c'est pas ça. Basket. Des baskets. Des baskets, son objet fétiche? Oui, c'est ça, 5 points. Loïs garde un mauvais souvenir. De quoi? Ses premières dictées ou du gong? Aïe, on n'a pas le temps d'aller au bout. Ah, ah, c'est pas mal. À mon avis, là, c'est suspense, Victoria, au niveau suspense. Des points. C'est suspense. Il y a un bon équilibre entre les deux équipes. On a 10 pour les oranges et 15 pour les bleus. Ah oui, wow. Très bien. Bien joué. Et j'avais une autre question aussi que j'aime beaucoup. Quel est le plat détesté de Loïs? Les tripes, le roquefort ou les endives? D'après vous, hein. Là. Les tripes. Les tripes. C'est ça? Tu détestes les tripes? Non, tout ce qu'il y a bas. Eh bien, voilà. Pour toi, Loïs, nous avons une assiette de tripes qui arrive. Super. Non, c'est pas vrai. Je te la laisse. Hein. Tu signais ton carnet de notes? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Mais... Est-ce que c'est bien de faire des trucs pareils? Non, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple, mais bon. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Oh, j'en suis sûre. Tiens, oh, bah tiens, oui, tiens. Ah bah oui, alors là... J'espère que vos parents regardent pas, parce que là, oh, vous êtes grillés. Là, vous êtes grillés, là. Bon, ça balance, hein. Tu es pipelette? Ah oui, je suis très bavarde. T'aimes beaucoup parler? Bah oui, parce que j'aime pas la solitude. Donc déjà, parler, c'est un tue, solitude. C'est clair. Même toute seule, je parle. Eh ben, rassure-toi, on a presque une demi-heure encore à pipeloter. Et puis, tu as un mauvais souvenir d'un été à la montagne. Bah oui, mes parents m'emmenaient toujours en montagne et moi, je rêvais de mer. Donc, ah oui, donc forcément. J'étais pas très contente, je me suis rattrapée après. Tu t'es rattrapée? Mm-hmm. Bon, alors très bien. Maintenant, la suite, tout de suite, avec la mousse. C'est parti, le What a OK. Deuxième épreuve de What a fond aujourd'hui avec Loïs Andrea qui va venir nous retrouver. Oui, viens, Loïs. On rappelle les scores, les oranges ont 10 points et les bleus ont 15 points. Petit écart, hein. petit chouïa d'écart. Et qui va s'y coller sous la douche peut-être pleine de mousse? C'est notre amie Audrey, ça va Audrey? Ouais, ça va. T'as quel âge Audrey? J'ai 12 ans. 12 ans et je vois sur ma fiche que tu es folle dingue. Fais-moi la folle dingue. Non, pas la folle dingue, concentrée, d'accord. Tu fais de l'athlétisme? Ouais. Et puis un autre sport aussi? La danse. La danse. Ouais. Classique, moderne? Antillaise. Antillaise. Ah, ça fait comment la danse antillaise? Zouk un peu. Ouais, ah, fais-moi un petit chouïa de zouk. Allez, un petit coup. Comment tu fais? Je sais pas, moi, donc faut que tu me montres. Je sais pas, moi, on fait comme ça. Ah oui, c'est super simple alors, c'est que comme ça? Non, mais il y a d'autres pas, il n'y a pas que ça. D'accord, mais là, elle est concentrée sur la douche, très bien, je vais pas te déconcentrer. Elle a pas son partenaire. Elle a pas, oui, c'est ton fiancé. Non, non. Alors, on va chanter In, la chanson qu'on a découverte cet été au mois d'août. Ouais. Hein, chanson de Loïs Andrea. Sherazade va donner le top pour partir. Sherazade, tu es prête? Tu es prête, Sherazade? Ouais, je suis prête. Est-ce que tu es prête, Sherazade? Ouais. Ouais, ok, ouais. Gladys, allez, panneau. Attention, 3, 2, 1, top. Ouh. Nos silences sont aussi dangereux. Fort. Qui trahissent tous nos aveux, c'est qu'il faut y croire. Sous l'ombre d'idées noires, laissez libre cours à nos vies, à leurs jeux interdits, et ne connaître qu'un seul mot, espoir. Yeah. Fort. Allez, encore. Dans
Audrey. Bravo, on peut l'applaudir. Vous avez été vache, hein. Alors là, parce qu'elle chante super bien. Tu la connaissais bien, cette chanson? Oui, un peu. Ah ouais, carrément. Mieux qu'un peu, je pense. Audrey, je pense qu'on peut l'applaudir mieux que ça, quand même, Audrey. Je sais qu'il voulait voir la mousse. Ça va? Attends, tiens. Hop, ch'toubi et ch'toubinette. Ça va mieux? Merci, oui. Ça va beaucoup mieux, Audrey. Ouais. Combien de points, Victoria? Parce que, t'as vu, elle la connaissait par cœur, ta chanson. Oui, elle la connaissait, mais avec la mousse, elle était un peu perturbée. Ah, ça déstabilise la mousse un peu, hein. Dis donc, toi. Alors. Ça déstabilise la mousse, mais elle n'a pas arrêté de chanter. Donc, après avoir additionné les secondes chantées avant et après la mousse, Audrey a fait gagner 39 points à son équipe, ce qui donne 49 points pour les oranges à 15 pour les bleus. Bon, eh ben, c'est pas mal, tout ça. Ça se présente plutôt bien. Tu connais bien ton clip, Loïs? Oui. Oui, t'as intérêt parce que tu on va peut-être t'y coller. Dans la séquence qui suit, c'est Wataclip, c'est parti. Le Wataclip de Loïs Andrea, tout va bien Loïs? Je vais très très bien, une très bonne ambiance. Puis je suis gâtée, regarde, oui. J'ai eu plein de cadeaux. Je suis jaloux. Regarde, j'ai on lui bagues, a fait des cadeaux des, déjà, des regardez. Des jolis bracelets de perles très et même jolie. Des bagues de perles quand même. Merci. Regardez. Ouais. Si princesse, hein. Ouais. Merci. Très jolie, merci. Et moi, j'ai pas de bracelet, de collier de perles. Oh, c'est gentil. Les scores, on rappelle les scores, 49 pour les oranges et 15 pour les bleus. Alors, tout peut changer maintenant, puisque voici le Wataclip qui va permettre aux équipes de gagner des points. C'est les oranges qui vont commencer et c'est Sherazade qui va faire un boulot, mais super dur, hein, Sherazade. Vachement dur, tu vas taguer la bonne combinaison. Taguer. T'as ta bombe? Ouais, elle est là. Elle est là. Sherazade, tu as quel âge? Viens, Sherazade. Tu as 12 ans. Tu es sympathique. Ouais. Tu fais du sport? Ouais, je fais du sport beaucoup. Même. Quel sport? Volleyball. Volleyball. Ouais. Et qu'est-ce qui t'est arrivé avec des plombiers dans la rue? J'étais chez moi et mon robinet ne marchait pas. Je les ai appelés et après, ils n'arrêtaient pas de rigoler. Après, je leur ai demandé pourquoi. Après, ils m'ont dit, vous avez de la sauce, plein. J'en avais plein ici, là. Ils reçoivent les plombiers en mangeant de la sauce. Bon, un peu moqueur, les plombiers. Et les bleus? Qui va taguer si les bleus? C'est moi. C'est moi, Figen. Ouais. Ça va bien, Figen? Oui, t'as quel âge, Figen? 13 ans. 13 ans, et t'es rigolote? Oh bah dis donc, quand on dit t'es rigolote, non. T'as pas une petite blague, là? Si. Ah, sors-nous une petite blague. Bah, j'étais chez moi, dans le salon. Oui. Et j'ai vu des petites bouteilles de whisky. Oui. Et je les ai prises. Non, je les ai prises, je me suis douchée avec. Voilà, donc Figen se douche au whisky, quand même. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais petite. Ah, t'étais petite? Oh, bah alors, il y a excuse alors. Je savais pas c'était quoi. Ah oui, et puis après, elle est sortie de la bûche comme ça. Bon, à tout à l'heure, Figen. Hein. Hop là. On va aller retrouver Loïs. Vous êtes prêts pour regarder le clip? Oui. On va jouer avec le clip In, qui est ton premier clip. Donc regardez bien ce clip. Ensuite, on sort 4 images de ce clip. À vous de les remettre dans le bon ordre avec votre bombe. Vous taguerez après avoir vu le clip. In. Clip de Loïs Andrea. Alors, attention, on sort 4 images maintenant. Regardez bien, à vous de les remettre dans le bon ordre. 20 points par image dans le bon ordre. Paf, c'est parti les 4 images. 1, 2, 3, 4. C'est pas simple hein, là. Hein. C'est pas simple du tout. Regardez bien, vous avez 20 secondes pour taguer la bonne combinaison sur votre tableau. C'est vraiment dur, parce que même moi... Ouais, c'est pas simple du tout. Regardez, il y a les caméras de Bernard Gonner qui vous permettent de voir ce qui se passe avant qu'on le découvre. Les oranges ont presque fini. Les bleus, gling, ch'tong, boung, c'est fini. On retourne les Wataclip. Alors, hop, retournez, attention la tête. Oh, c'est presque pareil, tiens. Les bleus disent 3, 1, 2, 4. Qui a eu l'idée? Idée collective? Oui. Oui, dit Stéphanie. Et les oranges disent 3, 2, 1, 4. Tu dirais quoi, Loïs? Ouais, tu sais que c'est très très dur pour moi, parce que j'ai... C'est pas évident. Mais hein. C'est pas évident, je me mets à leur place quoi. Je sais pas, je dirais peut-être 3 oui, sûr, mais je me rappelle pas bien parce que comme on discutait en plus. Ouais, et ben on va voir ça tout de suite. Regardons le contrôle. Première image. 20 points par bonne image. C'est la numéro 3. C'est bon pour les deux équipes. Alors, deuxième image.
La voilà. La numéro 1. C'est bon pour les bleus. La 2. C'est bon pour les bleus. Et puis forcément, ça va être bon pour les deux équipes. La numéro 4. Bravo. C'est pas mal, hein. Tiens, bravo parce que bien c'est joué. Pas évident. Vous avez l'œil, les bleus, hein. Bravo. Victoria, ça fait deux bonnes images pour les oranges et la totale pour les bleus. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Tout à donc fait, Thierry, 40 points pour les oranges et 80 pour les bleus, ce qui nous donne un total de 89 points pour les oranges à 95 pour les bleus. Ah oui. Ah oui. Ça fait plusieurs semaines comme ça qu'à ce moment-là, on a des épreuves très très serrées au niveau des scores. Donc ça laisse du suspense pour la suite. Tant il y a encore le Wata Hockey avec la mousse qui va venir. Oui. Et après le Wata Paris, oui, où tout va reposer sur tes épaules. Oh, ouais. Tu devras reconnaître des instruments de musique. Alors, une petite histoire maintenant, une petite anecdote. En fait, trois histoires et parmi ces trois histoires, une seule est vraie. On commence par la première. Il paraît que tu as eu très chaud pendant l'enregistrement de ton deuxième single, Insomnie, qu'on va entendre tout à l'heure. Oui, il y avait trop de lumière dans le studio. Donc pendant la prise de voix, j'ai voulu mettre un drap sur la lampe, ouais, et j'ai mis le feu. T'as mis le feu? Ah, quand tu as mis le feu? J'ai commencé à chanter, la fumée, les flammes. Bon. Allumer le feu. Donc stop. Ça, c'est la première histoire. Tu fais du footing tous les matins et on peut dire que parfois même de la natation. Bah oui, parce qu'un jour, je courais autour d'un lac, je faisais mon petit footing et un chien qui m'a couru après, qui m'a carrément mordu, qui m'a mis dans l'eau. Voilà, donc footing plus natation. Troisième histoire. En vacances, il t'est arrivé de dormir à la Belle Étoile, mais malgré toi. Oui, malgré moi, parce que c'était aux Antilles. Il y avait une tempête ce soir-là et le toit s'est envolé de ma chambre. À cause d'un ouragan. Oui, donc je me suis retrouvée dehors. Alors, elle est menteuse. Mais où a-t-elle menti et où est la vérité? Vite, arrachez votre ch'toubi midi et taguez. Alors dites-moi, oui, maintenant on va faire, vous allez me dire. Réfléchissez. On récapitule. Récapitulons. Non, ça, on a vu les trucs, on a vu. Alors, une pour les bleus. Non, pour les oranges. Une pour les oranges et deux pour les bleus. Donc vous pensez que c'est l'enregistrement où elle a mis le feu. Et la deux, vous pensez qu'elle est tombée à l'eau à cause d'un chien. À vous pensez quoi? Toi, tu dis quoi? La deux. La deux. Il y a beaucoup de deux. La deux. Il y a beaucoup de deux. Où est la vérité? Finalement, je crois que je suis vraiment une bonne menteuse. C'est une bonne menteuse, hein, écoutez. Ben non, c'est la première. C'est la première! Oui, les oranges! 20 points de plus, tu as mis le feu pendant mais ton oui, enregistrement. Mais oui. Quelle idée! Vraiment, je voulais faire une ambiance un peu intime. T'as misé? Et oui, j'ai pris le drap, j'ai trouvé un drap, je me dis que je vais le mettre sur la lampe. Ah, c'est sympa, très sympa. Je commence à chanter et là, la fumée, c'est du nylon, pas du coton. Ah oui, donc faites gaffe, hein, les trucs en nylon jamais, sur les lampes. Jamais de drap sur les lampes ou de chiffon, quoi que ce soit, parce que c'est très dangereux. Ça le fait pas du tout. Victoria, combien de points? Eh bien, une belle remontée des oranges qui sont maintenant à 109 pour 95 pour les bleus. Yeah, 109-95. Ça reste un petit peu serré quand même. On va desserrer ça tout de suite, peut-être, justement, dans l'épreuve qui arrive, le Wata Hockey. Ah, ça y est, tout est prêt. Stéphanie, ça va bien? Ça va. On rappelle les scores. 109 pour les oranges et 95 pour les bleus. Et maintenant, on va chanter. Est-ce que vous aimez chanter? Oui. Il y a quelqu'un qui voudrait chanter, là? Oui. Oui, alors attendez, je vais venir. Qui voudrait chanter? Ah, qui veut chanter une chanson? Tu veux chanter? Tiens, viens. Comment tu t'appelles? Julie. Julie, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans, viens, je vais te présenter Loïs Andrea pour bonjour de vrai. Bonjour Julie. Bonjour chouchou. Je peux te faire un bisou? Oui, bisous, bisous. Qu'est-ce que tu veux chanter Loïs? Non, c'est Julie. Julie, pardon, c'est Loïs, Julie. Tu veux chanter quoi? Une chanson? Oui. Oui, alors vas-y, tu prends le micro, tu fais ce que tu veux. Où tu veux. Allez, 3, 2, 1, top. Eh, les paroles, bah, c'est pas mal quand même, on peut l'applaudir. Elle nous a fait le refrain musical, c'est bien Biquette. Bravo, bravo Julie. Vous avez reconnu quand même. Eh ouais. Eh oui, In, s'il vous plaît. Alors attention, on retourne avec Stéphanie. Stéphanie, t'as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans, tu es mignonne. C'est écrit sur la télé, c'est que c'est vrai. Tu fais de la danse? Ouais. Oh, c'est un petit oui. Oui. Oui, un petit peu. Et oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans une mare? Raconte-nous. En fait, j'étais allée au zoo avec l'école et je suis tombée dans la mare à cochons. Dans la mare à cochons.
Ça devait sentir bon après. Non. Non. Et t'avais quel âge quand t'as fait ça? Je m'en rappelle plus, 5 ans peut-être. Ah oui, donc t'étais petite. Bah écoute, aujourd'hui c'est une mare, mais elle est pleine de mousse. Donc ça sent meilleur quand même, hein, je te rassure. Tu connais la chanson? Oui. In, hein? On va voir si tu la connais aussi bien qu'Audrey qui a chanté tout à l'heure. Je vous rappelle le principe, une seconde au sec égale un point, une seconde sous la mousse égale un demi-point. Les scores sont de 95 pour vous les bleus, 109 pour les oranges. Alison, le top quand tu veux. Top! Nos silences sont aussi dangereux qu'ils trahissent tous nos aveux. Ce qu'il faut y croire, sans l'ombre d'idées noires, laissez libre cours à l'envi, à nos jeux interdits et ne connaître qu'un seul mot. Allez, le refrain. Allez, 10. Oh là. Si tu joues le jeu du bistop, la vie te réchappe. Hop, terre, reprends-toi. Non, tu me déçois. Il va tirer le feu, je dis stop. Si tu vas trop loin, hop, galope bien vers moi. Dors, je s'ouvre là. Ben, elle est où? Bravo. On a perdu Stéphanie. Bien, Stéphanie. Oh, bah allez, c'est pas bon, hein. Je me dis, tu peux cracher, hein, si c'est pas bon. La bonne mousse. Bah, c'est pas mal quand même, hein. Je crois que vous aviez très envie de voir la mousse quand même, hein. Franchement. Victoria, combien de points? La pauvre, elle se baigne dans la mousse alors qu'elle a très bien chanté. Oui. Eh bien, en ayant additionné les minutes, les secondes avant et après la mousse, eh bien, elle a fait gagner 29 points à son équipe. Nous avons donc 109 pour les oranges et 124 pour les bleus. Ah oui. L'écart se creuse, hein, 124. C'est bien, tu peux être contente, Stéphanie. Attention, tout va reposer sur toi, Loïs. Oh mon Dieu. Sur tes épaules. Voici le Watapari. Hop là. Le Watapari. Le Watapari de Loïs Andrea. Je rappelle les scores. Les oranges ont 109 et les bleus ont 124. Tout peut changer dans cette séquence puisque tu as la lourde tâche de reconnaître 5 instruments de musique. Bon. Vous allez devoir parier sur sa performance et vous allez parier des points. Le maximum de votre pari, c'est votre score. 109 oranges, 124 les bleus. On écoute un extrait de la bande. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tu dis rien pour l'instant. Petite Marie, je parle de toi. Eh, hey, elle est concentrée, Loïs, hein? Mais alors, oui, alors, ne dis rien pour l'instant. Votre avis, combien d'instruments a-t-elle reconnu? On tague la bonne réponse et vous taguez votre pari également. Combien de points? Alors, combien? Ah, tu dis qu'elle a reconnu les 5. 4, 4, 4. Ah, j'ai beaucoup de 4. On va voir ça. On va voir. Alors, hop. Attention, on écoute la bande et tu proposes. Et je propose. Que dis-tu pour cet instrument? Vite, vite, vite. Flûte. Flûte. Saxo, saxophone. Clavecin. Clavecin. Tu dis clavecin? Je suis pas un peu vrai. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à des cordes pincées. Xylo. Xylophone, ouais. Tu dirais. Et celui-là? Mandoline. Mandoline. Ouais, mandoline. Elle dit de la mandoline. Ouais. Mandoline. Bon. La honte. Alors, à votre avis? Ouais. 3, c'est bon. Pas... Oh. Ah bah vous avez déjà retourné. Alors, les bleus, Paris, 10 points. Ils se mouillent pas. Alors là, petit joueur, hein. Pour 4 instruments. Ils pensent que tu as reconnu 4 instruments. Mm-hmm. Et les oranges, Paris, 53 points. Ça c'est courageux. Ça c'est courageux. Et vous pensez qu'elle a retrouvé 4 instruments. Bon. Eh bien, contrôlons, long. Regardons, écoutons. On. Tu as dit c'est... flûte. Bah j'accepte, c'est de la flûte, c'est du piccolo, exactement. Ah ouais. Mais j'accepte, c'est une sorte de flûte, oui, un instrument. Là tu as dit... Saxo. Saxophone, non. C'est du saxophone. Ah, deux instruments,
Alors là, ça se gâche. Là, tu as dit clavecin. Bah oui. Ça ressemble à un instrument de musique de Mozart. Ouais. C'est de la guitare 12 cordes. Et ça ressemble. D'accord. Là, tu as dit xylophone. Ouais. C'est du marimba, mais c'est un xylophone antillais, donc j'accepte. Trois instruments. Et là, tu as des mandolines, l'instrument romantique. Ouais. Et ben c'est ça, c'est de la mandoline. Quatre instruments. Bravo, bravo. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça change pas mal de choses, parce que je pense que les bleus vont gagner des points. Ouais. Et les oranges aussi, Victoria. Et oui, ils ont tous les deux gagné leur pari, donc ça change considérablement la chose. Les oranges ont maintenant 162 et les bleus 134. Donc les oranges gagnent. Oui, bravo, bravo les oranges, les cadeaux des What a Girl que voici. Le lecteur laser, viens Loïs. Le lecteur laser avec le disque de Loïs Andrea pour les bleus. Vous êtes contentes les filles quand même? Un bisou. Alison, un bisou de Loïs Andrea, regardez. Stéphanie, heureuse? J'ai déjà une PlayStation, alors. Ah, bah, déjà la PlayStation, donc tout va bien. J'ai 65 jours. Oh, bah, alors, si vous avez la totale, déjà bien, Loïs. Nous allons à côté. Et les oranges. Bravo, les filles. Heureuses, les filles. Ouais. Regardez quand même, ça le fait le cadeau. Ouais. La PlayStation et Crash Bandicoot 3 pour les oranges. Qu'on peut applaudir. T'es heureuse, Gladys? Ça va mieux? Ouais. C'est cool quand même. Un bisou de Loïs Andrea. Et un bisou. Heureuse, les filles. Cher Azad, princesse 10 000 et une nuit, heureuse. Ouais. Parfaite. Encore un cadeau, est-ce que vous voulez encore un cadeau? Un cadeau pour tout le monde. Pour ceux qui regardent la télé, on va écouter notre amie Loïs Andrea qui va oui, se mettre en place. Je et me qui mets va en place tout de suite. Merci Loïs, elle va chanter Insomnie. Victoria, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Laurent. Salut Victoria, à la semaine prochaine. Tout de suite, dans What a Fond, le dernier single de Loïs Andrea, Insomnie. La vie n'est pas
Bravo Loïs, Andrea, dans la boum de Watafon. Insomnie, c'était tout sauf une insomnie. À la semaine prochaine à 18h20. Salut, au revoir tout le monde, regardez. Ciao, à samedi, au revoir.